Habitué à jouer en soirée. Et oui, oui, bienvenue pour ce 20e anniversaire de mes Olé Olé. Et nous allons retracer un peu tout ce parcours. Vous voulez savoir comment tout ça a commencé? Oui. Encore faut-il que je m'en souvienne moi-même. Ah ben oui, j'ai commencé par le piano classique en fait, quand j'avais 8 ou 9 ans. Mais tout ce qui était classique, c'était pas trop mon truc. Je faisais de l'harmonie aussi, à l'Académie de Nivelles d'ailleurs. Allô maman, c'est Nivelles. Et alors, oui bien sûr, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est quand j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Voilà, ça j'avais 12 ou 13 ans, je crois, à ce moment-là. Et j'écrivais mes petites chansons comme ça, au piano, que j'enregistrais sur des cassettes. Oui. Vous avez encore connu ça, les cassettes?
Il fallait tourner dedans, là, quand même. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Et voilà, donc c'est comme ça que je faisais écouter ça à personne. Et alors, et puis il y a eu un élément déclencheur, ça a été Claude Semal. Claude Semal, qui apparaît ici. J'ai fait un stage, je faisais des stages régulièrement à l'Académie d'été de Libramont, et Claude Semal animait un stage, et je l'ai entendu chanter, et ça m'a vraiment donné envie de faire son stage. C'était un stage d'interprétation de chansons françaises. Je l'ai fait l'année suivante, et à l'issue de ce stage, j'ai chanté deux chansons sur scène pour la toute première fois. Un tabac ! Le tabac ! Alors ça a été l'élément déclencheur, je me suis dit, c'est vraiment là-dedans que... Il faut continuer. La vocation. Donc d'une certaine façon, Claude Semal, c'est un peu mon parrain de scène, on va dire. C'est... Alors, en son hommage, il n'est pas mort, hein, mais en son hommage, voici la chanson. Dans le rouille franc, dans le cendrier blanc, dans les relents d'urine d'Ajax ammoniaquet. C'est là. Okay. Marquez qu'à votre PS, il y a plus.